là-bas. Not to
Yeah.
짜증만 나거든. 언제부턴가 이런 잔소리만 들려. 시끄러 이제는 I don't wanna hear no more. 가장 부르는 목소리는 약대. 얘가 처음에서 어떻게 하지 굽혀. 하스마드가 뻔뻔히 해봐자 하루만에 왜 뻔뻔히 내일이 얘기만 해. Because for love that's still not so low. 별 이제 신경 안 쓰고 care no more. 됐어 나 깨버려. I'm going around. 나를 받고 노래하지 마. No boys, no boys. 날 넉지럽게 하지 마. Show me your low virgin. 저희 스트레이 키즈 놀 준비 됐는데 여러분 다 놀 준비 되셨나요? 우리 스트레이 키즈 오늘 prêt à s'amuser, vous? 한번 제대로 놀아볼까요? On va mettre les bruits sur ça. Thank you.
OK. Stay. 1, 2, 3. Paris. C'est autour de Hyunjin. Stay! 1, 2, 3! Ratatouille! Ah, t'as trop chaud! Ça va? Ouais! Ok, ok, ok. Ok, ok. 1, 2, 3! Parlez-vous français? Yes. 아, 지금 너무 귀여워요. 나도 진짜 되게 귀여워. 자, 우리 스테이와 함께 은드투아 갑시다. Pa 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 pa
내 그림자를 채워줬던 나 그림자를 찾을 수 있던 너 이제 내 곁에 있어준 너만으로도 내겐 힘이 돼 고맙단 말밖에 못해도 내가 널 향해 손을 내민다 그 손을 잡은 너와 함께 전부 다로 그 꿈을 외친다 내가 너와 함께 할 수만 있다면 모든 할 수가 있더라고 너가 더 할 수만 있다면 내 경품이 되더라고 나의 같은 내가 있어줄게 나와 같은 곳에 있어줄래 창밖은 너무 추워 나 혼자 남아있게 여긴 내가 있어줘도 되지 마 Yes, so
그냥 속는 다치고 웃자. 너와 남을 비교하는 말들 에이, 너의 맘을 몰라주는 말들 에이. 너의 소중한 너를 왜 저기 보는 나를 필요 없어. 그런 이유 없어. 점심값은 굳었다 스마일 동네. 아침부터 홍수 대통 오늘따라 기분 좋아. 수수하고 민도 없는 날 love it. 웬일이야 오늘 정말 내가 가지고 있던 눈을 다 써버린 걸까. Quand j'ai rencontré Stray Kids à Paris, et je suis désolée, j'ai maquillé qu'un œil, j'ai fait des tests aujourd'hui, et du coup il y a mon frère qui prend la salle de bain, donc je peux pas défaire tout ça. Donc voilà, vous aurez un œil maquillé, un test. Alors du coup, faut savoir que je fais cette vidéo, on est en janvier 2020, le concert c'était en juillet, le 10 juillet je crois. Au doc de Paris Pullman. Alors du coup, moi je les ai rencontrés la veille du concert. C'était un lundi, puisque le concert c'était un mardi. Ou un mercredi. Mardi, oui. Du coup, je vais vous raconter rapidement. Enfin rapidement, voilà.
avec mon petit frère, on était au Trocadéro, on était allé manger des gaufres et des crêpes, enfin voilà quoi, parce que, histoire de bien faire le truc, parce que lui il est pas allé souvent à Paris. Et du coup il était 22h31 quand on s'apprêtait à quitter le Trocadéro. Pardon. C'est très précis parce que mon petit frère il a regardé sa montre à ce moment-là. Et en fait, genre, il y avait un mec qui était déguisé en alien là, avec sa sono, et puis il faisait vachement de bruit, de musique et tout. Et il faisait la statue. Et du coup, il y a des mecs qui passent à côté, des azettes, ils font oh, oh, du bruit et tout en mode hype. Et moi, je me retourne et je fais putain, mais ils ont l'air vachement beaux, eux. Waouh. Et en fait, je regarde dans le dos du dernier mec, un mec qui était blond. Et ce mec avait un t-shirt noir avec toute une écriture en jaune en demi-cercle comme ça. Et je fais oh, putain, mais ça ressemble beaucoup à. Au t-shirt qu'il avait, Félix, là, sur les photos où on les voit au Louvre, que j'avais vu dans le bus. Et du coup, genre, je dis, putain, Gawain, c'est Félix. Il me fait, oh, t'es beau, vraiment? Et je dis, oui, oh, je suis trop heureuse, j'ai vu Stray Kids et tout. Et j'allais m'arrêter là, et mon petit frère me fait, bon, on va aller voir. Et je fais, bah non, non, j'y vais pas. Il me fait, mais si, allez, viens, on va aller voir. Et je dis, putain, ça, c'est un truc, ça m'arrivera peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Je vais juste voir, oui, enfin, je vais pas les voir eux, enfin, mais je vais à côté, enfin, ça fait un peu stalker dit comme ça. Mais je vous assure que j'ai été très bien, très très bien, moi. Et du coup, je vais là-bas avec mon petit frère, c'était sur les j'ai mon trade aussi sous les yeux pour pas me tromper, c'était sur les marches du Trocadéro, sur le parvis, ils étaient là, et en fait, du coup, genre, je me penche vers, il y avait 5 ou 6 meufs qui étaient déjà là et qui la regardent et qui font... Et moi je me penche et je les regarde, je savais pas si elles étaient françaises ou quoi, donc je leur fais Are they real? Elles me font yes! Et j'étais en mode c'est vraiment Stray Kids? Oh putain! Et du coup, il y a mon petit frère qui me prend le bras, qui me dit viens, on va les voir. Donc je reste là, je lis un peu en même temps pour pas me tromper, pour pas oublier. Et en fait, vraiment, ils font leur life. Genre, ils prennent des photos, ils avancent, ils vont sur le parvis, ils font leur vie. Et du coup, on est à côté. Et puis. On regarde en mode putain. Oh! Et du coup, eux, ils se disent, y a des meufs qui nous regardent, quoi, les gars. Du coup, ils se retournent, ils se grattent. Et ils se regardent, et puis ils nous regardent, et ils font hi! Comme ça, ils me foutent en mode. À l'intérieur, je suis en mode. À l'extérieur, je faisais hi! Je filme comme un cul. Et du coup, enfin, genre, voilà, j'essaie de garder mon calme. Pour dire bonjour, on voit mon lit aussi, putain, et là on voit ma collection. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et du coup, il se passe ça. Et en fait, Anne vient se mettre devant moi. Il fait hi. Et j'étais là en mode oh putain, mais Anne. C'est trop joli. Et puis il y a une fille qui va voir Félix et qui va lui demander si elle peut prendre une photo avec. Et il faut savoir que les nounas et moi, enfin les nounas, c'est comme ça que j'appelle tout ce qui est maquilleur, tout ce qui est styliste et tout, étaient là et gardaient un bras tendu entre nous en fait. Et il y a une meuf, elle va voir Félix, elle lui fait excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre des photos et tout. Et Félix, très gentil en anglais, lui répond non, désolé, on peut pas, on n'a pas le droit. Félix en vrai, ah, il est trop beau, mais il est hyper fin, il y a plein de toutes ces petits grains de beauté. Il faut savoir que personne n'était maquillé quand on les a vus à la Tour Eiffel. Et il était trop beau, quoi. Vraiment. Et puis du coup, moi je restais un peu loin et puis j'étais un peu excitée. Donc en fait, j'essayais de me calmer pour pas leur faire peur, tu sais, de pas crier, de pas rigoler trop fort, de rester normal en fait. Puis on regarde la Tour Eiffel, il y a une steak qui. De pas crier pour pas les mettre mal à l'aise, des câlins. Oh, il y a Woody. Mon petit cœur là. Il est passé avec son petit masque comme ça, il m'a regardé et tu vois, quand les gens ils sourient, même avec un masque, ça plisse un peu. Et du coup, j'étais là en mode. Mais du coup, j'essayais voilà, de faire genre moi aussi je suis là pour la Tour Eiffel parce qu'en fait, la Tour Eiffel elle s'illumine toutes les heures. Du coup, on attendait juste que la Tour Eiffel elle s'illumine. Donc, techniquement, je le dis maintenant, on est resté plus de 40 minutes avec eux à attendre que la Tour Eiffel elle s'allume, puisqu'ils sont partis vers 23h10, quelque chose d'Isor. Voilà. Et là, il y a THE moment, en fait. Et je vois Félix, il danse comme ça sur le bord, je dis, mais putain, mais ils sont trop heureux, en fait, d'être là. Et là, je vois Bang Chan, il va avec je sais plus qui sur le parvis pour aller prendre des photos, et il revient tout seul. Tout seul. Et je fais, qu'est-ce que je fais? J'avais sa petite chenille, je l'avais en broche et elle était accrochée à mon t-shirt. Et je me dis, putain, il faut que je lui parle. Enfin, il faut que je fasse un truc, même si c'est pas dérangeant. Et là, je me dis,
même si c'est pas dérangé longtemps, il faut que je fasse un truc. Et c'est pas forcément la meilleure idée, hein. Je suis désolée si je vous déçois. Mais du coup, genre, j'ai avancé, j'ai descendu les escaliers. Et il faut savoir que les nounas, elles étaient restées sur les escaliers, tout le groupe était resté sur les escaliers. Il y avait juste Bang Chan et moi. Et j'avance tout doucement et je l'appelle, genre, je fais Chan, 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 un peu plus fort. Et au bout de 5 fois, genre, je crois, il m'entend. Vraiment, il sourit, il se retourne, il fait comme ça. Et là, je fais et en fait, et du coup, il était pas maquillé du tout. Il était blond. Tous les cheveux tirés en arrière, comme ça. Et j'étais là en mode. Et du coup, en fait, j'avais sa petite chenille en broche sur le t-shirt. Elle était genre par là, là. Et du coup, genre, je lui pointe la chenille en mode tiens, regarde la chenille, trop bien. Et il a cru que je lui montrais mon boobs. Et du coup, il est resté hyper dubitatif en mode. Ah ok d'accord, et il a souri puis il est parti. Et moi je me suis tout de suite tournée, en fait je l'ai même pas laissé le temps de répondre. Je suis tournée et je suis partie. En mode je voulais juste te montrer ça, je te dérange pas plus, allez je me tire. Du coup moi, j'ai demandé à mon petit frère qui était là et qui a regardé. Alors il a fait quelle tête en partant? Il me dit oh il a souri, j'étais là en mode allez on les emmerde plus. Et du coup en fait ils allaient acheter à boire, ils allaient faire leur vie. Vraiment ils en avaient rien à foutre. Et les meufs à côté de moi elles les regardaient, elles disaient oh mon dieu il boit, oh mon dieu il boit. Il y en a même, ils ont pleuré. Mais du coup, genre, on était super discrètes. Genre, ils devaient pas peut-être pas se douter qu'on parlait d'eux. À part quand ils les ont vus pleurer et qu'on se fait des câlins tout ensemble. Ah oui! Et aussi, moi j'avais fait une pancarte qui a fait rire pas mal de stay au concert. J'avais mis leur visage tout en même. Je sais pas, elle est là-haut, je peux peut-être vous la montrer là. Elle est là, là. Voilà. Et genre, je l'avais mis sur mon téléphone et j'étais comme ça. Et genre, j'étais dans mon coin et je regardais, j'attendais qu'il passe. Genre, Woojin, je crois qu'il est passé, il l'a regardé, il a rien dit. Non, c'était pas Woojin, c'était Soongmin. Oui, c'était tout caché, c'était pas facile pour moi. Yunjin, il a souri et il a ri. Et comme par hasard, à l'aéroport, il a quoi? Lui, quand il rentre, un t-shirt avec plein de petites têtes d'aimants. J'étais là en mode, les droits d'auteur. Non, je déconne. Copyright. Non, je déconne. Mais voilà. Et ensuite, du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, putain, mais ça fait trop forceux d'année l'arrêt. De toute façon, on s'en fout. Ils s'en foutent. Ils veulent pas être là pour penser au concert. Enfin, voilà. Du coup, on attend. On popote tous ensemble. On regarde la tour Eiffel. On attend. Et dans les dernières minutes, elle commence à clignoter. On est tous là en mode, ah, ah, ah. Et là, la tour Eiffel, elle s'illumine. Et on était là en mode, comme des grosses touristes. Alors que à chaque fois qu'il y a un concert K-pop, et j'en ai fait pas mal, je vais à la tour Eiffel de nuit et je la regarde s'illuminer. Du coup, genre, je la connais. Hein. Et du coup, genre là, on a fait, waouh! Comme des grosses touristes. Et j'ai fait Tada, this is Paris. Et je les ai entendus rigoler. Parce qu'il faut savoir que, en fait, ils filmaient la tour Eiffel, mais avec un blanc, mon gars, genre là en mode. Waouh. C'était un silence de mort. Et j'étais là en mode, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Puis ensuite, ils vont. J'avance un petit peu. Ah oui, ça, il faut pas que j'oublie. Ils s'en vont pour partir. Ils vont pour partir, en fait. Et là, genre, vraiment, ils s'arrêtent. Ils se retournent, ils font « Bye bye !» Et nous, on les regarde, on fait « Bye bye, bye bye, see you tomorrow !» Et là, on a dit « See you tomorrow !» Et genre, ça a fait bug cerveau pour eux. Ils ont fait « Comment ça, see you tomorrow ?» Mais quoi? Bah, il y a un concert, peut-être, demain, en fait, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ils s'en vont, et nous, et Chan s'arrête, regarde, parle avec Sanuna, regarde la tour Eiffel, et puis il s'en va. Et nous, on fait, bon, faut pas qu'on y aille maintenant parce que sinon ils vont croire qu'on va les suivre. Mais comme ils allaient vers le devant du Trocadéro, là où il y a la route, là où les voitures elles s'arrêtent, pour ceux qui savent, pour ceux qui voient, il y a un métro. Et c'était notre ligne en fait. On devait prendre ce métro là. Donc on attend un petit peu avant d'y aller. On attend, puis on y va. Et en fait, ils étaient toujours sur le parvis en train de rigoler. Donc je les regarde de loin et je fais, c'est bon, Annel, t'as eu ta dose. C'était ton plus grand jour de chance. Tu arrêtes, tu y vas, t'as été assez gourmande. Donc je vais pour partir. Et mon petit frère s'arrête, il regarde une bagnole, en mode oh, il y a une Bentley, je sais pas quoi. Et j'étais en mode ouais, ouais, génial, je m'en bats les couilles. Je me retourne pour voir si je vois toujours les Stray Kids. Et là, je vois Chan, Félix et tout qui marchent droit sur nous. Je fais oh putain de merde. Du coup, je prends mon petit frère pour le pousser du trottoir, du bord du trottoir, pour qu'il continue à marcher sur le trottoir. Mais la nona nous contourne quand même. Il nous contourne quand même. Et Félix, il passe à ça de moi. Et je le regardais, j'avais mes mains contre moi comme ça. Et j'étais là en mode OMG. Et je me suis fait juger par le manager qui me regardait trop mal à chaque fois, mais zéro expression, pas énervé, rien du tout. Et ensuite, du coup, après on est parti, puis on a pris le métro parce que je voulais pas les suivre.
Voilà.